Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à parler de Proust. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de son œuvre. Mon actualité récente fait que je viens de déposer ma thèse et que je soutiendrai le 15 janvier. Donc, je suis dans la continuité de ces travaux. Merci. Certains d'entre vous ont suivi ces développements un peu longs. Mais heureusement, j'ai réussi à terminer cette histoire-là. Enfin, ça s'est pas terminé pour moi, puisque je pense que je vais continuer encore longtemps, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en fait, moi, ce que je voulais, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était d'interroger d'une manière très, très pragmatique les influences et les traces d'Alphand, enfin en tout cas de ce qui est à la fois dans l'espace parisien et dans son ouvrage les promenades de Paris, présent dans le travail de Proust. Alors donc d'abord une première citation pour montrer que Proust connaissait très bien le travail d'Alphand, s'il fallait la faire, mais en tout cas je la fais. Donc il écrit dans un texte qui s'appelle Paris 1900. Qui est texte non daté, mais qui est à peu près estimé à vers 1940. Le plan général de l'exposition de 1889 était dû à la collaboration de trois architectes, du Tertre, Formiger, Bouvard, sous la haute direction d'Alphand. Alphand, ingénieur ordinaire de la ville de Bordeaux, fut choisi par Haussmann en 1852, pour diriger les grands travaux de Paris. On lui doit notamment les aménagements des bois de Boulogne et de Vincennes, ainsi que les principaux squares. Donc l'image ne correspond pas à l'exposition universelle dont fait référence Proust. Mais alors ma présentation s'articule donc sur plusieurs points. D'abord, je vais vous présenter rapidement, mais très très vite, le parcours de Proust. Ensuite, je vais vous expliquer les questions que je soulevais dans ma thèse, mais que je ne développerai pas aujourd'hui. Ensuite, j'ai essayé d'identifier dans les travaux d'Alphand, ce qui fait référence et modèle pour moi dans le travail de Proust. Ensuite, je vous montrerai un panel de différents projets dans lesquels je vais aller chercher des éléments que j'ai identifiés. Et donc, c'est la partie que j'ai appelée la culture urbanistique et les outils de projet. Et ensuite, je terminerai sur cette évolution que j'avais annoncée dans le titre de cette présentation, donc de la ville à la métropole, du boulevard au parkway. Alors Proust, vous connaissez tous son parcours, je ne vais pas m'étendre très longtemps, mais il est Grand Prix de Rome en 1902, il gagne le concours d'Anvers en 1910. Dans le jury du concours d'Anvers, il y avait Hénard et Steuben. Il est membre fondateur de la Société française des architectes urbanistes. Et ensuite, pendant 10 ans, il est à l'instigation de Forestier, donc envoyé au Maroc, pour dessiner les plans d'extension des villes nouvelles. Il revient sur la côte varoise et il fait le premier plan d'aménagement régional en 1923. Il enseigne aussi l'art et la technique de la construction des villes à l'école des hautes études urbaines. Et ensuite, il revient à Paris, qu'il n'a jamais vraiment quitté, mais où il travaille sur le plan d'aménagement de la région parisienne entre 28 et 34, date à laquelle il le livre. De 1932 jusqu'à la fin de sa vie, il dirige la revue Urbanisme. Donc il y a aussi là un champ qui est très très intéressant pour la constitution de ce savoir spécifique. Et il termine sa carrière pendant une quinzaine d'années à Istanbul pour faire le plan directeur d'Istanbul. Il est en quelque sorte le Haussmann d'Istanbul, si je peux me permettre cette comparaison. Les questionnements que je me pose, que je me suis posé dans ma thèse, c'est comment qualifier cette œuvre, et surtout quelle est, puisque je suis moi-même un architecte urbaniste praticien et que j'enseigne cette question-là à l'école d'architecture de Marseille, quel est le processus de conception caché ou contenu dans l'œuvre dessinée et construite de Proust, donc dans les traces, à la fois dans les dessins et dans les traces présentes dans les villes dans lesquelles il est intervenu, quelle est sa méthode de travail et quels sont les éléments qu'il manipule et comment il les arrange. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout la question des éléments et de comment il les arrange. C'est la question que je souhaite vous présenter. Avec deux hypothèses de recherche, c'est que l'œuvre de Proust est plus riche et plus complexe que sa connaissance commune, évidemment, et qu'elle mobilise des échelles et des outils que je désigne comme l'architecture du sol urbain, avec cette idée que de requalifier l'urbanisme, qui a une certaine connotation, et donc moi je propose cette qualificatif qui est l'architecture du sol, qui est l'art de la conception des espaces urbains et des armatures territoriales par l'expression d'une culture spécifique du sol et de la manière d'y inscrire durablement les projets. Alors pour cela, j'ai constitué un atlas
des projets, de l'échantillon de projets que j'ai analysé, en essayant de dessiner à chaque fois avec le même protocole de dessin la situation avant Prost. Donc c'est à gauche, par exemple là pour la ville de Rabat, le projet de Prost et la situation actuelle, en partant des documents numériques vectoriels actuels pour redessiner les situations antérieures. Donc vous verrez un certain nombre de ces dessins originaux dans cette communication. Alors concernant Alphand, la lecture que j'en ai faite, justement pour voir comment croiser ce travail avec celui de Prost, c'est d'abord la question de la préexistence. Il se trouve que, bon, donc ces objets ont déjà été décrits aujourd'hui, mais il se trouve que dans l'ouvrage d'Alphand, on trouve quelque chose qui est très intéressant, c'est la situation antérieure et la situation future de certains parcs. Donc ici on a Vincennes, et puis on a le parc des Buttes-Chaumont avec ce tracé topographique très, très intéressant qui a été déjà présenté. Et c'est aussi une question multiscalaire, c'est-à-dire que dans Alphand, on a l'échelle de la ville, l'échelle des parcs, l'échelle des squares, des jardins, l'échelle des boulevards, mais on a aussi cette échelle architecturale et jusqu'à l'échelle des grilles et du mobilier urbain. Et donc ça, c'est aussi une question qui, moi, m'intéresse particulièrement, sans parler de l'aspect historique et des auteurs, mais en tout cas, c'est ce qui est présent dans son ouvrage. Et aussi, par les perspectives qu'il montre, enfin, qu'il donne à montrer dans son ouvrage, il nous fait rentrer à l'intérieur de ces espaces, et pas seulement à la surface ou avec cette vision planaire des choses. Deuxièmement, c'est la question du système d'espace public, c'est-à-dire qu'on voit très bien là dans son ouvrage qu'il a publié avec l'ingénieur Poubelle en 1889, donc le système des espaces publics qui est lui aussi multiscalaire et qui renvoie donc à cette vision d'ensemble de la ville et qui inscrit la palette du mobilier urbain dans cette échelle-là. Donc on a toujours cette manipulation de différentes échelles qui en fait quelque chose, un objet très très intéressant. Ensuite, il y a les éléments. Donc, il y a évidemment les coupes de boulevards, voies publiques et boulevards, mais qu'on retrouve aussi dans ce creuset des éléments qui sont ceux avec lesquels on fait la ville, qu'on retrouve chez Steuben quelques années plus tard, puisqu'il publie en 1879 Paris au point de vue de la construction des rues et de l'extension, et qu'on retrouve aussi dans Steinbau avec son catalogue de coupes extraordinaires, toutes dessinées au 500e, de manière à ce qu'on puisse les comparer à la même échelle. Alors évidemment, il y a aussi les places et squares, vous connaissez tout ça, mais on les retrouve aussi dans ce fameux ouvrage de Steuben de 1879, donc la collection des squares parisiens, et dans Der Städtebau en 1890, mais aussi chez Sitt et chez Unwin, donc tous ouvrages et auteurs qui constituent les éléments du vocabulaire de cette grammaire de l'urbanisme qui commence à se mettre en place au début du XXe siècle en France, ça a été bien dit, après l'Angleterre et l'Allemagne. Alors, un panel de projets que j'ai analysé dans ma thèse, c'est deux catégories de projets que j'ai appelées les séquences spatiales urbaines, avec le projet d'Anvers en 1910, ensuite deux projets au Maroc, Rabat et Casablanca, ensuite Alger en 1933, et vers 37, jusque dans les années 50, deux éléments du plan directeur d'Istanbul, qui sont le boulevard Atatürk et la place Taksim avec le parc numéro 2. Et ensuite une autre catégorie que j'ai aussi parcourue, que j'ai appelée les armatures territoriales, qui sont donc le plan d'aménagement de la côte varoise, qui date de 23, mais sur lequel il travaille jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, et le plan de la région parisienne dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc je vais rapidement revisiter ces projets, et ensuite je vais revenir pour aller chercher dans chaque projet certains éléments qui sont comme une archéologie du projet de Prost, pour aller chercher les éléments qui viennent ou qui viendraient de chez Alphand avec cette hypothèse. Donc le premier projet, c'est le projet d'Anvers. Donc il s'agit de dessiner l'extension de la ville avec la disparition des enceintes, donc une question qui est très d'actualité au début du XXe siècle, et que Prost organise sur un grand boulevard circulaire qui vient accrocher un système de parcs, de jardins et de places, comme l'a fait aussi Steuben en Allemagne. Donc je rappelle, Steuben est dans le jury du concours. Et donc éléments que j'ai redessinés, donc voilà, avec le protocole qui est celui de mon atlas, à une échelle du 25 millième, où vous voyez à gauche le projet de Prost et à droite le redessin que j'en ai effectué dans cet atlas. Ensuite il y a le projet de Casablanca avec cette
trame assez complexe qui doit glisser à l'intérieur des tissus et des coups-parties de la spéculation immobilière qui bat son plein en Maroc dans les années 10, et dans lequel il va installer un système, là aussi, de boulevards et d'espaces publics. Donc ça, c'est le boulevard qui est dit la Canebière de Casablanca. C'est donc le boulevard du 4e Zouave qui descend de la place de France jusqu'au port, qui existe toujours aujourd'hui. Vous en verrez une image plus tard. Et la grande place administrative, grande place centrale, qui est une relecture des places royales et qui fait à la fois référence à la place de Nancy, mais aussi à l'articulation entre la Concorde et les Tuileries. Donc de nouveau, un exemple parisien transformé une relecture de ces exemples-là, de ces modèles dans le projet de Casablanca. Et enfin, aussi un objet très intéressant dont je propose la comparaison avec le jardin du Luxembourg, c'est le grand parc central de Casablanca, dit parc Lyautey, qu'il décide avec la Prade, et dont vous voyez une analogie ici de composition assez frappante avec le jardin du Luxembourg, et notamment l'allée de l'Observatoire, avec le même système, le même dispositif, je ne sais pas s'il y a une souris ici, qui est dans la réalité beaucoup plus long, et qui est aussi un prolongement dans la partie sud du parc vers l'extérieur de la ville et qui projette comme ça et qui articule le parc avec ses franges au moyen des systèmes de boulevards plantés. Donc voilà le plan redessiné dans mon atlas. Vous voyez à droite la trame, l'armature des boulevards du plan de Casablanca. 1937, Istanbul. Deux éléments assez intéressants du plan d'Istanbul dont je vais parler. C'est ici le boulevard Atatürk. Et là, au nord, le parc numéro 2 qui s'articule sur la place Taksim. Donc le boulevard Atatürk est une des artères importantes du plan qui sert à relier la Corne d'Or avec ici la Marmara et qui permet de desservir la partie centrale de la péninsule historique et qui croise l'aqueduc de Valence qui se trouve ici et dont vous voyez un plan assez précis qui est aussi une opération de remembrement sur ces franges assez intéressante héritée de ces expériences casablancaises. Donc vous voyez ici une photographie avec l'aqueduc en fond de perspective et des problématiques d'accroche sur les franges et de recomposition du tissu de part et d'autre du boulevard. Donc là ici de nouveau la position du boulevard dans l'atlas. Le nord d'Istanbul, donc toujours sur la rive européenne, mais de l'autre côté de la Corne d'Or, c'est cette opération ici qui s'inscrit dans un vallon et qui vient inscrire une place, donc la place de Taksim, et qui est une sorte d'antichambre de vestibule pour le parc et qui articule donc la fin du tissu de la ville d'Istanbul avec les collines vallonnées et un retournement de la perspective vers une ouverture sur le Bosphore. Donc vous retrouvez ici une collection de dessins, je ne vais pas m'attarder sur ces dessins, mais ce qui est assez intéressant, c'est que la coupe en travers de la place Taksim utilise elle aussi le dispositif des Tuileries avec les promenades surélevées de part et d'autre. Donc là, de nouveau, une relecture d'un des dispositifs parisiens. Donc vous voyez ici la place Taksim et en fait ensuite l'enchaînement spatial qui permet de conduire dans ce parc et ensuite de redescendre avec cette sorte de système de voies assez souple vers la rive du Bosphore. Donc, autre exemple redessiné dans l'atlas que vous voyez ici et sur lequel je reviendrai plus tard. Donc avec ça, j'ai réussi, je pense avoir construit une collection de dessins que je synthétise avec deux problématiques, celle de gauche, c'est-à-dire la structure de la voirie support de l'espace public, et à droite une structure élargie qui contient non seulement, qui s'appuie sur la voirie, mais qui contient aussi le système d'espace public, le système de parcs et jardins, et de la ponctuation par des édifices publics situés à des endroits stratégiques dans ces différentes séquences. Donc ça me permet de qualifier ces types de projets.
de différentes manières. Donc je dis les séquences sont inscrites dans le tissu urbain. On a souvent un principe d'axialité ou d'ouverture spatiale vers un élément de paysage majeur. Donc ça, c'est aussi l'influence du travail de Forestier. Donc c'est peut-être une colline, la mer ou un fleuve. Il contient de larges voies plantées. Donc il est dans la continuité du travail sur les espaces publics parisiens. Il s'articule sur une ou plusieurs places publiques. Et on note la présence importante du végétal sous la forme de parcs ou jardins. L'espace public est qualifié par la plantation et le mobilier urbain, et les séquences sont ponctuées et bordées par des édifices publics ou institutionnels. Alors là, ce que je vous propose, c'est une autre lecture thématique, c'est-à-dire je suis allé chercher un par un ces éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc d'abord, le boulevard. Donc vous avez ici un zoom, un autre cadrage sur le plan de Anvers, avec le tracé du boulevard ici et la manière dont il articule un système de place, mais surtout le boulevard dessiné par Prost, que j'ai redessiné avec mes étudiants ici pour en faire une collection aussi dans l'Atlas. On retrouve cette question des boulevards avec une orientation plus paysagère, mais qui se situe dans la continuité des travaux de Forestier au Maroc. Donc là, vous avez la séquence centrale de Casablanca, le boulevard qui descend sur le port, dont vous avez la coupe ici. Ça, c'est la coupe de Forestier revisitée par Prost, enfin celle qui sert de modèle à Prost, c'est-à-dire avec un terre-plein central planté avec deux lignes de palmiers, qu'on voit ici exactement dans cette photographie qui est prise sur site. Donc c'est le boulevard qui est ici. Et ensuite, la séquence se déploie sur la grande place administrative, le parc central, et dans un nouveau boulevard qui retourne vers l'océan Atlantique. Donc ce deuxième boulevard que Jean-Louis Cohen avait qualifié de parkway dans l'étude sur laquelle j'avais eu la chance de participer dans les années 90 avec André Lortie, et dont j'ai redessiné ici à partir des documents de cette recherche la coupe, et qui est un des plus beaux boulevards plantés de Casablanca, avec ces deux lignes et ces deux hauteurs de palmiers différentes qui s'articulent avec les franges latérales et dont la hauteur est en relation avec l'épanelage des bâtiments qui bordent le boulevard. Mais la question du boulevard, c'est aussi la côte varoise, avec, vous connaissez cette coupe que j'avais appelée la coupe évolutive, qui est la manière de gérer l'extension urbaine et la densification autour d'un chemin dans la campagne, et comment on accompagne la transformation du chemin vers un boulevard, avec ici un certain nombre de croquis de recherche, avec une hypothèse à 40 mètres, sachant que sa dernière coupe, elle est plutôt à 30 mètres, et que je mets ici en parallèle avec certains des boulevards qui sont dessinés par Alphan, avec deux types. Le type avec terre-plein central planté, alors là en l'occurrence il n'est pas planté, il accueille le tramway, et le deuxième type qui n'a pas été retenu par Prost mais qui fait partie de ses croquis de ses études, à 40 mètres, qui est plutôt un type avec une grande voie centrale et deux larges trottoirs plantés. Et enfin le boulevard Atatürk, dont j'ai parlé précédemment, et dont vous voyez ici une photographie un peu dramatique, comme ça, en noir et blanc, et qui montre comment il dévale la colline pour descendre jusqu'à la Corne d'Or. Donc voilà, ici un petit plan de synthèse dans l'Atlas. Alors ensuite, c'est la question des places et des squares. Alors il se trouve que Prost a fait une étude en 1913, à l'initiative de Paul Léon. Il parcourt l'Europe et il fait un relevé des squares et des grandes places européennes, notamment à Bruxelles, et ici deux places en Italie, à Florence et à Vérone. Il a aussi relevé la place du peuple à Rome, et qu'il redessine d'une manière assez précise, avec l'indication de perspectives, de tracés, d'inscriptions du parcellaire, et aussi des galeries à portiques qui bordent ces différentes places. Et donc on retrouve, là j'ai ressorti quelques places qui sont extraites de ces projets. Donc là on a une place à Anvers, une place à Casablanca et deux dessins pour une place qui vient s'articuler avec le boulevard Atatürk dont je viens de parler, ici sur le col de cette colline où s'installe le boulevard.
Alors ensuite, il y a une autre question qui est inhérente au travail de Proust, qui selon moi, c'est que la voirie est un dispositif transcalaire, c'est-à-dire que le trait de la voie, cette ligne, permet de traverser les échelles et de relier l'échelle territoriale avec l'échelle urbaine, jusqu'à l'échelle, ici, vous voyez, de l'espace public domestique, c'est-à-dire du trottoir en contre-haut, du trottoir belvédère, et de l'aménagement des espaces publics ordinaires du quotidien, donc qui traverse ces différentes échelles avec les dessins que vous connaissez certainement, le tracé de ce parcours collinaire, qui est un dispositif qui tient l'ensemble du littoral sur à peu près 200 km de côte. Et aussi la région parisienne, donc vous connaissez les perspectives sur les sorties de Paris. Ici, donc c'est la grande voie triomphale qui prolonge les Champs-Élysées, et qui est support de réflexion pour un dispositif qui est autoroutier et pour lequel il propose aussi des échangeurs. Donc il réfléchit aussi sur ces dispositifs d'infrastructure. Il dessine aussi la montée sur le coteau et l'arrivée dans un dispositif spatial de terrasse qui est une relecture de la terrasse de Saint-Germain. Donc voilà pour la question du dispositif transcalaire. Maintenant, je vais aborder la question systémique, c'est-à-dire que en fait, Proust inscrit un système d'espace public et un système de parc dans ses projets. Donc il est dans cette continuité systémique. On le voit ici pour le plan de Rabat en négatif à l'intérieur du tissu urbain. Là, vous avez le schéma de synthèse et à droite le tissu actuel de la ville de Rabat avec la persistance des dispositifs et du plan dessiné par Proust. Aussi, donc pour le boulevard Atatürk dont je viens de parler, dont ce schéma résume et synthétise l'empreinte spatiale sur la péninsule centrale d'Istanbul. Ensuite, il y a la question du système de parc. Donc, c'est vrai qu'il suit Forestier au Maroc, et pour la ville de Rabat, qui est un très très bel exemple, il continue l'esquisse de Forestier et il la décline par différents parcs et jardins qui articulent des vues sur l'océan et sur le bourg grec, et avec lequel il fabrique le cœur de sa séquence centrale. Mais c'est aussi le cas pour la place Taksim et le parc numéro 2, qui est situé ici, donc au nord d'Istanbul. Ensuite, on retrouve aussi ce dispositif de système de parc sur la côte varoise. Vous avez là une lecture, un extrait de son plan que j'ai redessiné au 300 millième. Et là, un extrait d'une partie du plan de Proust autour de la. Sous Saint-Tropez. Qui est une manière donc d'articuler le système collinaire avec le système littoral par le tracé des voies. Et dans un des dispositifs de son plan de la région parisienne, qui est la route des parcs de l'Ouest, par lequel il prolonge un projet de Robert Danis, et qui lui permet de relier l'ensemble des parcs de l'Ouest, donc un projet déjà existant, mais qui va réinscrire et articuler dans l'Ouest parisien. Et enfin, pour terminer, sur ce glissement donc de la ville à la métropole, ou du boulevard au Parkway, on a sur la côte varoise donc ce dispositif qui dessine l'extension des bourgs et des villages existants par à la proposition d'un système de boulevard, et la gestion de la grande échelle et de la façade maritime par les parquets, qui sont donc ces grandes avenues jardins qui vont dessiner la façade du littoral sur l'ensemble de la côte du département. Et enfin, on retrouve ici les exemples parisiens, avec quelques vues qui sont extraites donc des promenades de Paris. Mais en fait, ce que je voulais dire aussi par là, c'est que Proust est imprégné des exemples parisiens. Il fait ses études aux Beaux-Arts à Paris. J'ai pas eu le temps d'évoquer cette question-là. Mais il parle de cette séquence comme étant une séquence fondamentale. Et qu'on retrouve ici, dont on voit l'empreinte et la trace dans le système des grands parcs parisiens. Et on rejoint là cette question du parkway telle qu'elle avait été étudiée dans la recherche en 95, qui part donc de l'avenue de l'Impératrice, et dont, à un moment donné, une des esquisses du
des sorties des autoroutes de Paris, inscrit une hypothèse de tracé de l'autoroute de l'Ouest comme étant une branche qui arriverait ici sur la place de l'Étoile en empruntant l'avenue de l'Impératrice. Donc c'était une manière de reboucler la boucle avec les exemples parisiens. Donc vous voyez ici cette grande voie triomphale que j'ai montrée tout à l'heure et qui s'inscrit dans cette dynamique. Donc on retrouve là dans son plan, dans son album livré en 1934, ces deux tracés, donc la voie triomphale que j'ai redessinée ici donc au 300e dans le redessin du plan de Prost, et la sortie de l'Ouest ici avec lequel il gère la proximité avec le parc de Versailles qu'on retrouve là et qui viennent croiser cette route des parcs. Donc il a quelque part aussi pour Paris... Il a dessiné des voies qui auraient dû être des parcours et qui sont devenues des autoroutes. Mais donc il a accompagné ce glissement formel d'un dispositif urbain à un dispositif métropolitain. Merci. Vous allez très vite, enfin pas moi, mais les orateurs. Un peu de temps avant la pause. Si on a quelques questions très précises sur les deux interventions, sachant qu'on garde une discussion plus générale pour la fin, après la troisième intervention, quelqu'un veut intervenir ? Oui. Bonjour, Alexis Bernet. Je voulais savoir si les plans de Prost avaient eu aussi des conséquences en termes de protection des sites, puisqu'après 1906, une loi permet de suspendre, en tout cas, l'aménagement de certains lieux. C'est la loi qui préfigure la loi de 1930 qu'on utilise encore dans le classement des sites, et ça me semble être... je pense que Prost était en lien, aussi en phase... je ne sais pas, sur la protection des médinas, peut-être sur la protection de certaines portions littorales. Enfin, est-ce que ça apparaît dans les redessins ? C'est allé très vite, je n'ai pas eu le temps, pardon, de tout saisir. Alors, l'entreprise de redessin est une grosse entreprise. Et j'ai commencé par celle des projets urbains et j'ai terminé par celle des ce que j'ai appelé les armatures territoriales. Et donc, en fait, le travail... De recollement sur cette échelle territoriale, il reste à faire. J'ai pas pu aller jusque-là. Sur les échelles urbaines, je l'ai fait et j'ai une partie de carte que j'ai pas montrée qui montre la persistance et la permanence des tracés de Prost dans le tissu actuel. Et sur les échelles territoriales, c'est un travail immense que je souhaite faire, mais ça sera l'objet d'un autre travail. Pour l'instant, je l'ai pas fait. Et alors, il y a tous les dispositifs de protection des perspectives qui sont dans le plan de 34, mais que je n'ai pas vérifié. Donc j'ai plutôt travaillé sur comment ils fabriquent le projet que les traces actuelles des projets, parce que je l'ai dit, à l'échelle territoriale, c'est assez colossal. Sur la côte varoise, j'ai commencé à faire l'identification des permanences et des persistances de son travail sur certains boulevards, sur certaines sections de boulevard et de la voie front de mer. Donc il y a des parties qui existent aujourd'hui et qui sont assez claires. Je n'ai pas montré aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet. Et les médinas, ça ne vient pas de Prost, ça vient de Lyoté. Après son expérience en Algérie, il souhaitait qu'on conserve les médinas telles quelles et que les villes nouvelles soient fabriquées comme des extensions en dehors des médinas et ne touchent pas les médinas. Il y avait une séparation très très nette entre... les autochtones, les musulmans et les colons en français. Ensuite, les choses se sont beaucoup plus mélangées, mais cette séparation, on la voit toujours aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de point de vue sur la question de la séparation, mais spatialement, en tout cas, elle est encore présente. Et, enfin, elle est présente dans la morphologie, pas dans les modes de vie. Et par contre, tout ce qui fait l'armature des plans de Prost existe, évidemment, encore aujourd'hui. Les voies n'ont pas été déplacées ni supprimées, quoi. Et ensuite, les jardins ont été réduits et certains construits ou d'autres étendus. Mais l'armature principale de ce système de parc existe encore aujourd'hui et est très très forte. Donc c'était aussi une ambition de ce travail, c'est de la montrer et de la cartographier pour qu'elle soit reconnue comme ayant un intérêt
patrimonial urbain, si on peut dire ça, spécifique, quoi. Quelqu'un d'autre ? Oui. Donc, au Maroc, Lyoté fait voter une loi tout de suite, le Dahir de... Il y a un représentant marocain, évidemment, mais il le contrôle. Et il fait voter un Dahir, c'est une loi marocaine, pour protéger la Médina et protéger l'existant, le patrimoine existant des formes d'extension qui vont arriver. Et pour empêcher que les Européens, qui commencent déjà à arriver et à construire des bistrots dans la Médina, abîment la Médina. Donc tout de suite, il fait édicter un Dahir pour protéger. Je parlais tout à l'heure des grands parcs domaniaux qui font partie de la structure de l'armature urbaine de Paris, qui entoure Paris, et que Forestier fait protéger et fait des enquêtes, les récupère. Par exemple, chaque fois qu'il y a une vente avec la commission du Vieux-Paris, il crée des missions pour protéger, racheter les terrains. Par exemple, l'histoire du parc de Sceaux. Donc il fait un système de parc jusqu'à Sceaux, intégrant Saint-Cloud. Et ce travail d'intégration des grands parcs domaniaux va être à l'origine de la création de la Ligue urbaine et rurale. C'est une société que Forestier va créer avec Jean Giraudoux pour protéger un ensemble de lieux, de parcs, de jardins, de lieux, de morceaux de village et tout. Et donc, on voit très bien aussi comment ces éléments vont glisser progressivement vers la patrimonialisation. Et comment, de là, de cette façon de protéger, va naître aussi un mouvement régionaliste très important à cette époque-là, et qui trouve donc ses racines dans... Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Bon, conservez votre... Oui ? Une dernière, et puis ensuite vous gardez, on fera la discussion après la troisième intervention. C'est surtout simplement pour signaler à la bibliothèque de l'hôtel de ville, là-haut, au quatrième étage, qu'il y a un immense fonds étranger, fruit de tous les échanges entre la ville de Paris et toutes les villes du monde entier depuis les années 1840 jusqu'à en gros 1910-1920. Alors bien sûr, il y a beaucoup de documents juridiques, etc. Mais vous avez des échanges de délibérations États-Unis, Angleterre, Italie, Argentine, enfin tous les pays du monde entier, avec en plus des photos de construction du Central Park à New York, de Canberra, de travaux à Lisbonne avec l'intervention de Daviau, etc. Vous avez eu énormément d'échanges de photographies. Donc bien sûr, c'est un gros accent droit public, droit administratif, puisque c'était un petit peu le but de la bibliothèque, mais en même temps les villes étrangères et les pays étrangers envoyaient plein de photographies et il y a eu énormément aussi d'échanges sur les réseaux, l'hygiène, comment la voirie, les égouts, donc tout ça en langue étrangère bien entendu, parce que Paris a tout ce qui est en français, Paris l'a disséminé dans le monde entier. Donc nous, ce sont des documents en anglais, en italien, en russe, en allemand, tout ce que vous voulez, partout, tous les pays. Merci. Et cette bibliothèque est facilement accessible ? C'est gratuit, c'est la ville de Paris, vous avez une photo. Vous venez avec une pièce d'identité, il suffit d'avoir 18 ans et le bac. Et puis, et puis voilà, donc vous mettez votre photo et en plus votre carte vous permettra d'aller à l'historique, à Fornay, à toutes les bibliothèques spécialisées de la ville de Paris. C'est gratuit. Voilà. Très bien, merci.